Hello les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour un vlog, et pas n'importe quel vlog, sur un vlog qui dure 12 jours. Oui, oui, oui. Avec Mélodie, je pars en voyage pour 12 jours, donc c'est vrai que c'est la première fois que je pars autant, et on va faire pas mal de voyages, vous allez voir. Pour vous situer un peu dans le temps, demain on sera mercredi 8 juin et je prends le train direction Paris, Gare de Lyon. Je ne reste pas à Paris puisque je vais chez mon papa qui habite vers Rouen. J'y reste 3 jours à peu près et le week-end, samedi, dimanche, donc le 10 et 11 juin, j'ai rendez-vous au salon des animaux à Meaux pour faire une démonstration de dog dancing avec Mélodie. Ensuite, le lundi, je retourne à Rouen chez mon papa pour toute la semaine. Et le samedi 17 juin, je pars sur Paris dans le 17e arrondissement pour le forum des animaux en ville où j'ai également une animation à faire de dog dancing avec Mélodie. Et enfin, le dimanche, je rentre à la maison. Avant toute chose, non, Opus ne vient pas avec nous, puisque quand je me rends dans des salons comme ça, je peux clairement pas gérer deux chiens. Mais ne vous inquiétez pas, ce pupus ne sera pas tout seul, hein, il est avec ma maman. Et d'ailleurs, si Opus vous manque après ce vlog, je vous invite à regarder ma dernière vidéo YouTube où on fête son anniversaire. Et c'est une vidéo vraiment rien que pour lui. Je vous la mets en petit i. Avant de commencer, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter, ça fait toujours trop plaisir de lire tous vos commentaires, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait et à activer la cloche des notifications pour être prévenu à chaque nouvelle sortie de vidéo. Venez aussi nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, c'est La Patte Enchantée. On vous partage tout vraiment en direct, alors n'hésitez pas à nous rejoindre là-bas. Et voilà, je vous emmène avec nous et demain, on se lève très tôt pour prendre le train. Et c'est parti, je prends le train avec Mélodie, direction Paris. J'étais un peu fatiguée, il était quand même très tôt et on a 5h30 de trajet. À midi, je suis arrivée sur Paris. Mon papa qui habite Rouen est venu me récupérer à la gare de Lyon et on s'est arrêté en chemin pour une petite balade aux Andelys. C'était super beau. Après cette journée de transport, on est arrivé à la maison. Hello, on est jeudi et on va aller faire un petit tour sur Rouen, visiter la ville. Mélodie, elle est là. Elle est prête. Mélodie ? Enfin, elle est prête, il faut mettre son harnais. Mélodie, on va mettre le harnais ? Oui. Et voilà, je vous emmène avec nous. Notre première fois en décapotable, quelle expérience ! Nous avons décidé de visiter Rouen. Il y avait beaucoup de monde car c'était le début de l'armada. Nous nous sommes promenés tranquillement, la ville est vraiment magnifique. Bien sûr, nous avons fait une pause pour déguster une délicieuse glace et boire un coup. Pour terminer cette journée, on a pris un peu de hauteur, admiré Rouen, avant d'aller au restaurant. Give me love, give me all your love, oh, 'cause I want you. No one else makes me feel this way, don't know what you do. You hold my hand, look me in the eyes. You and me, yeah, that's all. On est vendredi. Le matin, c'était séance shopping sous l'œil attentif de Mélodie. Oh, pipi! Ensuite, nous avons pris la route direction Meaux. On a traversé les embouteillages de Paris et j'ai posé mes affaires à l'hôtel. La chambre avait un accès dehors, parfait pour Mélodie.
Cette journée est passée super vite. Petit resto le soir avant d'aller dormir. Hello, on est samedi, il est 10h et quelques et on s'apprête à aller au salon des animaux, à Meaux du coup. Durant ce salon, on a deux animations, à 13h pour parler du bien-être des animaux sur les réseaux sociaux avec deux autres influenceurs et à 15h notre démo de dog dancing. Je vous avoue que je stresse pas mal parce que c'est la première fois que je fais une démo qui dure beaucoup plus longtemps, 4 minutes je crois, donc c'est pas pareil. Comme d'habitude, je vous emmène avec nous et là j'attends Mathilde qui est là encore une fois et qui vient nous chercher à l'hôtel pour aller au salon parce qu'il y a quand même 30 minutes de marche, donc j'avais un peu la flemme, donc on va l'attendre. On a retrouvé Mathilde et Tawa, nous sommes donc allés au salon. We watch the sun go down over the same old town like so many times before. We look at the same old stars, battle the same old wars like so many times. On a fait tout le tour et bien sûr Mélodie a réclamé à manger sur tous les stands. On a fait la rencontre d'animaux plus ou moins étonnants. Puis, on a fait notre intervention sur le bien-être des animaux sur les réseaux sociaux. On a mangé et on a trouvé un stand où on voulait acheter tous les jouets. Non mais regarde, des frites. Un poulet. J'adore. Non mais c'est trop. Ouais non non mais. Eh bien bonjour à tous. Moi c'est Léa et voici Mélodie, un berger australien qui a 6 ans. À 15h, on avait notre démonstration. On a commencé par se présenter, un petit échauffement, puis la vraie démo. C'était génial. D'ailleurs, si vous voulez voir notre prestation en entier, j'ai déjà sorti la vidéo. Vous n'avez qu'à cliquer dans le petit i. Léa et Mélodie, qu'on applaudit très très fort. Merci pour cette super démonstration de Doc Dancing. Waouh! On a continué à se promener tranquillement dans le salon, puis il était déjà 19h et je suis rentrée tranquillement à l'hôtel. Coucou, eh bien on est dimanche, je suis dans la loge au salon, il est 11h, ça va être une nouvelle journée. On refait exactement la même chose qu'hier. À 13h, on parle du bien-être animal sur les réseaux sociaux. Puis à 15h, on a notre démo. D'ailleurs, je pense que vous avez vu les images, mais ça s'est super bien passé hier. Je suis trop contente. Et du coup, aujourd'hui, on remet ça. Petite matinée tranquille. La première intervention s'est bien passée. Puis c'était l'heure de manger. Durant ce salon, j'ai découvert une superbe marque. Yuli propose des médailles connectées. Il y a un petit QR code qui vous renvoie sur une fiche d'identité de votre animal que vous pouvez personnaliser en mettant toutes vos informations. C'est trop pratique et je l'ai fait pour Mélodie. Vous avez donc le QR code et ça fonctionne aussi par la technologie du sans contact. Et c'était l'heure de notre démonstration. Written down the words to say, it is time. I've been waiting 5 days to explain how you make me feel inside. Baby, got it all figured out. Wanna do this right? There's no doubt in my mind. Baby, you're the one. And tonight, I am going all the way. The way you touch my hand, it all goes.
salon, il y avait un appareil pour prendre des photos. Alors on l'a fait. Et puis c'était déjà la fin du salon. Merci à vous. Qu'est-ce que tu fais, ma fille? Au revoir l'hôtel. Allez, on va prendre le train. On va prendre le train. Ouais. Nouvelle semaine, on est lundi et on continue notre voyage. Une fois arrivé sur Paris, on prend le train direction une nouvelle fois Rouen pour retourner chez mon papa. Bon, je pense que vous vous en doutez, journée pas très intéressante, on était dans les transports. Le mardi, nous sommes restés à la maison à travailler et avance rapide, on est mercredi. Le matin, j'ai été chez Decathlon trouver un maillot de bain pour la journée du lendemain. Ce n'était pas prévu qu'on aille à la plage, mais du coup, on y a été. Mais ça, vous verrez demain. Aujourd'hui, on est allé au lac des Deux Amants. C'était une journée assez sportive, car nous avons fait le tour du lac à pied, qui fait quand même 9 km. Hello, je vous reprends, on est jeudi, et il est par contre presque 11h et on s'en va pour Deauville. On a environ une heure de route, j'ai jamais été, ça va être trop bien, donc on est en mode plage, on y va. Ma première plage de l'année, c'est un peu le comble pour une personne qui vit dans le sud, non ? En tout cas, on est bien arrivé à Deauville, on a découvert la mer, Mélodie s'est bien amusée. On a été sur les planches et puis direction resto. Mélodie, qu'est-ce que t'as fait là? T'es sur ma serviette là. C'est la mienne, on a dit. Oh là là. Nous sommes retournés à la plage pour enfin se baigner. L'eau était super bonne, c'était trop trop bien. Madame a fait sa star, elle voulait s'essuyer sur nous, le sac, bref, un vrai clown. On ne pouvait pas bronzer tranquille. Petite glace avant de rentrer. Vendredi, c'était une journée chargée car nous avons commencé par visiter Honfleur. C'est super beau, j'ai adoré.
s'est arrêté le midi manger une petite crêpe avant de reprendre la route pour Étretat. J'avoue que c'était aussi un peu sportif. Ça monte, ça descend, mais c'est tellement beau. What do I believe? What makes me feel it to write you this song? Two hours a day, five months and a year. Oh, I loved you too long. Et on a marché jusqu'à cette plage. Alors une fois arrivée, j'ai enfilé mon maillot de bain pour aller me baigner. Il faisait super chaud. Par contre, l'eau était très froide. Ensuite, nous avons fait le chemin inverse avant d'aller au resto le soir. Jour, je ne sais plus combien, en tout cas, on est samedi 17 juin et nous avons pris la route le matin pour aller direction le forum des animaux en ville à Paris dans le 17e. Nous avions une démo de dog dancing à réaliser. A new home for a while, let me feel alive. Nothing to hold me back, take my time, just enjoy the ride. A new man passing by, life is good, best I've ever felt. Bonjour à tous, je m'appelle Léa, j'ai 22 ans et j'habite somewhere I can find myself. Après la fin de ma démonstration, le déluge. Incroyable, j'ai vraiment eu de la chance. Ensuite, c'était la fin. Mon papa m'a accompagnée à l'hôtel et le lendemain, nous avons pris le train pour rentrer à la maison et retrouver Opus. Tu te rappelles, c'est notre dernier hôtel ? C'est notre dernier hôtel ? Et demain, on prend le train ? On rentre à la maison ? On va voir Opus ? Quelle aventure, on n'a pas arrêté, mais c'était génial. J'espère que ce vlog vous a plu. On n'hésite pas à mettre un petit like pour nous soutenir. Et nous, on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!